les trottoirs, parce qu'ils sont trop hauts pour circuler en fauteuil dessus. Parce que pour descendre, c'est impossible. C'est la première chose qui ne va pas pour nous. Puis les escaliers pour rentrer dans les magasins, où il y a toujours des hauteurs qu'on ne peut pas monter, nous. Ou alors des routes où il n'y a pas de trottoir, qu'on est obligé de rouler sur la route pour circuler. Sur des emplacements réservés aux cyclistes. Moi, je suis obligé de circuler sur les pistes cyclables et je me suis retrouvé avec des camions en travers du passage. Impossible de descendre parce qu'il y a un trottoir qui est haut et le camion, il nous empêche carrément de sortir. Et il n'y a pas qu'un camion, il y a des voitures aussi qui stationnent. N'importe comment, c'est pas fait pour nous. Ils ne pensent pas à nous. Au parc de l'hôtel de ville, parc pour handicapés en dehors du parc, elle est juste devant un feu rouge. Et quand on sort, on ne peut pas sortir la rampe pour descendre en fauteuil, on est au milieu de la route. Et pour moi, je trouve que c'est pas normal. À la poste, il y a des escaliers à monter. Où encore? Là où il y a des escaliers, à tous les magasins, quoi. À la côte de Catherine, où un côté il n'y a pas de trottoir, enfin le trottoir est bas, et en face, le trottoir il fait 12 cm de haut. Alors si on traverse, on ne va pas monter sur le trottoir. Dans les bus, les tubes, ils ont fait des aménagements pour handicapés. C'est bien pratique pour nous, parce qu'on peut prendre le bus pour aller au Leclerc, se trimballer dans Bar-le-Duc. Des bus roses qui desservent toutes les lignes, mais il y en a un blanc qui n'est pas aménagé. Et quand il arrive, on est obligé d'attendre une demi-heure en plus. On est comme des imbéciles à attendre qu'un autre bus arrive. Parce qu'on ne peut pas monter, il n'y a pas de rampe pour monter.